Hey, coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 9 mai. Et donc bonne ascension à tous. Il est 17h06. Excusez-moi, mais le bas passe. Alors je suis déjà réveillée et prête à vloguer. Tout simplement parce qu'en gros, hier, on s'est couché avant minuit, à 23h30, j'avais perdu Jen. Et puis moi, j'ai suivi à 23h45. Hein, clairement, j'ai suivi un peu plus tard. Quoi, je suis venue un peu plus tard. Elle s'est endormie avant moi, clairement, encore une fois. On s'est mis au lit, ouais, 23h30. Ouais, moi, avant minuit, en tout cas, je dormais. Jen, pareil, on était épuisés. Les courses, se lever, donc techniquement pour Jen, se lever, et moi, nuit blanche, puisque je rappelle que c'était la veille de la nouvelle lune, Mais c'est de bon. mercredi, de mardi à mercredi, voilà. Et comme j'ai déjà expliqué, désolé Melba, c'est nerveux, comme j'ai déjà expliqué, je ne dors pas les nuits de veille, de pleine lune et de nouvelle lune. Alors, arrêtez d'essayer de me donner des idées pour dormir. Ça fait X années que je ne dors pas. Alors, on m'a dit, prends du Non. Donormil. Question, le Donormil est un antihistaminique à effet sédatif. Chez moi, pour que j'ai les yeux qui C'est pas commencent. vrai. Pour que j'ai les yeux qui commencent à cligner, il me faut 4 boîtes. Voilà. J'en ai Le assez. Donormil, c'est du pipi de chat. Moi, j'ai été au somnifère, au vrai somnifère chimique pendant X années. Je n'y retomberai pas. Et même si j'ai mon traitement de nuit pour dormir, clairement. Mais quand mon cerveau a décidé de ne pas faire agir mon traitement, malheureusement, il n'y a rien qui fait. Donc les nuits de veille de lune, je ne le prends carrément plus, parce que sinon c'est gâcher des médicaments, clairement. Parce que pendant X années, j'ai pris mon traitement les veilles de lune, les nuits de lune, tout ça, et je ne dors pas. Désolée, hein, Melba s'énerve et Jen se bat avec elle. Donc voilà, donc clairement, arrêtez de me dire prends ça, les tisanes et tout. Non, 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 non. Je suis Tisane. au traitement chimique depuis 18 ans, c'est pas la médecine douce qui va m'aider clairement. Mais Et c'est pas donc, vrai. j'ai déjà expliqué que les nuits de veille de lune, pleine ou nouvelle, je ne dors pas du tout. Je n'ai aucun sommeil. Donc, je ne prends plus mon traitement. Avant, je prenais mon traitement, je me couchais, j'essayais de dormir, mais impossible de fermer l'œil. Donc, maintenant, j'arrête de gâcher du traitement, clairement, j'arrête de gâcher du traitement. Et voilà, parce que le traitement, bah, on va éviter de le gâcher, hein, de toute Mais c'est façon. pas vrai, je peux rien faire. Je suis désolée, hein, vous devez entendre Jen Bah oui, elle qui se bat avec. marmonne, Elle se bat. mais Melba est en train de la défoncer. Melba! Laisse Jen tranquille! T'es pas possible! Oh, qu'est-ce qu'elle est casse-couille, celle-là! Oui, un peu. T'es casse-couille, mon chien. Bah, laisse ma fille monter aussi! Non, non, le tonne. Donc aujourd'hui c'est le jour de changement de drap. Voilà, donc je vais changer mes draps tout à l'heure. Et je dois faire le rôti. Parce que hier je n'avais pas du tout la foi de cuire le rôti, clairement. Parce que j'ai pas regardé encore le temps de cuisson, mais je dirais qu'il y a une heure et demie de cuisson du rôti. Donc voilà, donc on va à feu doux, hein, je parle pas, voilà, pour pas le cramer non plus. Donc ouais, donc je ne veux pas. Là je le ferai. Je le préparais. D'accord. Ok, je me fais attaquer par de la mousse. Je le préparais vers, je sais pas, 19h30, 20h. Parce qu'on ne va pas non plus manger à 20h, hein, faut pas déconner. Bon, Melba, excuse-moi, mais je vide ton canard parce que j'en ai marre de me faire attaquer par de la mousse. Voilà. J'ai racheté tout ça après. Nous avons eu une nouvelle commande. Donc nous avons deux commandes à préparer, la commande de Zineb et la commande de Nathalie. Nathalie, c'est en point relais, donc il faudra que demain j'aille au Tabacado, donc au Mondial Relais, déposer le colis. Voilà. Donc ouais, j'irai déposer le colis. Désolée, il fait tout sombre tout d'un coup. Le soleil est parti. Et moi j'apparais tout pâle. Un cadavre. Que là, vous êtes éclairé par mon PC et par un jeu de lumière de mon téléphone. Mais là, ouf! Oh, j'apparais galave. Arrête, Melba! T'es chiante, hein! Aïe, aïe, aïe! Décide de nous casser les bonbons aujourd'hui, hein! C'est la nouvelle lune qui t'a cassé les bonbons? C'était hier, hein! Ce soir, c'est le jour d'après.
Mais ce n'est pas l'heure. Il est 17h11. Tu manges dans plus de 45 minutes. Tu manges à 18h, tu le sais très bien. Et range ta langue, on dirait muffin. Voilà, j'ai appelé muffin, regardez qui s'amène. Ah, mais écoute, arrête de me lécher. Oh, non, mais c'est pas possible tous les deux là. D'accord, merci Charlie. Vous avez fini tous les deux? Vous avez fini tous les deux? Melba, pas la peine de trembler, tu ne mangeras pas maintenant. Elle ne pense qu'à manger, cette chienne. C'est pas possible. Et pourtant, elle grossit pas. Pas possible, hein? Pas possible. Donc, le fondant du jour, c'est le fondant mangue. Ouais, parce que je ne l'ai pas brûlé hier. Donc, c'est le fondant du jour. Donc, le fondant mangue. Voilà, Charlie va encore. Oulala, oulala. Wow! Wow, Charlie! Il a sauté par-dessus, là. Ouh! Allez, il a vu une fenêtre ouverte. Il a sauté par-dessus la cage et tout. Il s'est pas mangé la. Ouh! Charlie est motivé. Aïe, aïe. Ah, vous avez loupé le sport de Charlie pour 3 semaines. Il a vu une fenêtre ouverte, il s'est dit, ouh, je vais y aller. Et parce que j'ai ouvert cette fenêtre-là, parce qu'en gros, le volet est jamais ou rarement ouvert. Comme ça, Charlie peut profiter de la fenêtre, parce que Jen, le fumoir, elle a ouvert le volet. On ne peut pas laisser la fenêtre ouverte. Parce que sinon, Charlie, il tombe. Il est très maladroit et il serait capable de tomber. Donc, on va éviter. Donc, ouais, deux fois chez toi. Donc, moi c'est le moins haut, hein. Il n'y a qu'un Oui, mais il y a étage. plus de voitures aussi, hein. Ah oui, s'il a peur, il va se manger une voiture, c'est sûr. Non, mais il va pas tomber, ça. Non, il va pas tomber. On va pas dire qu'il va tomber. Donc écoutez, je suis donc au café. Je suis désolée, hein. Les lèvres sont pâles, ma gueule est pâle. Je suis un cadavre, mon pote. Je sais pas pourquoi. Donc écoutez, je calme les deux monstres là et je vous reprends tout à l'heure. À toutes. Il est 20h41. Je vous reprends seulement maintenant, tout simplement parce qu'on a préparé les deux commandes, donc la commande de Zineb et la commande de Nathalie. La commande de Zineb est dans la boîte aux lettres, donc elle part demain. Et la commande de Nathalie, j'irai la poster donc au Mondial Relais demain. Faut que je change mes draps, mais j'attends que Jen parte à la douche. Comme ça, je vais changer mes draps. Je suis en train de faire cuire le rôti de porc, quoi, du moins le rôti de porc échine. Je l'ai mis en cuisson, là il bouille dans le fond de veau. Voilà, donc il va bien cuire. Je vais le laisser à une petite heure ou une petite heure et quart, voilà, le temps qu'il soit bien cuit. Et en fait, je prends le vlog tout de suite maintenant parce que Z vient. Voilà. On ne sait pas, mais Z a dit qu'il venait. Et je pense qu'il a très envie de voir Jen. Parce que ça fait une semaine qu'on ne l'a pas vu. Écoute, et donc en fait, vaut mieux que je fasse le vlog, que je continue le vlog maintenant, parce qu'après, s'il est là, bah, c'est la galère pour vlogger, clairement. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, et je veux que le vlog sorte demain. Voilà. Donc je rappelle que pour les personnes qui souhaitent passer commande, vous pouvez passer commande sur le site lesfondantsparfumésnano.com, et que si vous n'avez pas bénéficié encore du code hop, bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5 euros d'achat. Minimum. Voilà. De toute façon, excusez-moi, quelques centimes, c'est quelques centimes de réduction. Voilà. Et plus vous êtes fidèle, et plus je peux vous distribuer des codes fidélité, clairement. Croyais que tu avais dit plus vous êtes gentil. Non, plus ils sont fidèles en commande. Je sais pas pourquoi. Pourquoi plus vous êtes gentil? Plus vous êtes gentil, plus vous commandez, plus vous êtes des copains. Oui, plus vous êtes gentil, plus vous commandez. Bah oui, ça tombe tout le temps. Ceux qui commandent, les gens, ils sont gentils. Oh, voyons, ah là là. J'ai bien dit ça. Donc bon, donc après, donc je vais changer mes draps. Comme ça, vous verrez la parure de la semaine. Je pense que la parure sera la parure Patronus. Voilà, je pense que ça va être la parure Patronus. La bleue, la bleue, la bleue. Avec le cerf, là. Pas celle-là. Pas celle qui est sur le tankard. Tu veux la pouf souffle, toi? Bon, on va mettre la pouf souffle alors. Non, en fait, Je m'en fiche, de toute façon, il faut bien que je change de parure, donc une ou l'autre. Voilà. Donc je vais mettre la parure bah, pouf souffle. Voilà.
Mon téléphone est en train de marcher depuis tout à l'heure, que je veux atteindre mes pas, parce que le but, c'est que j'ai mes points pour que je puisse avoir des virements. Voilà. Sinon, donc, le 14, je dois aller donc, au stomato pour qu'il regarde les dents et qu'il me fixe un rendez-vous pour l'extraction des deux molaires. Et que oui, qu'il me fixe, mais avec en lui disant que je dois partir en vacances et que je reviendrai fin juin, début juillet. Voilà, j'ai pas eu dire ma mère doit se faire opérer, il va me dire on va venir en transport en commun, quoi. Donc lui, il s'en fout, lui, de savoir comment je viens. Mais bon, après, je vais te dire que je pars en vacances, je me tape. Je vais avoir un message de Z. Je sais pas ce qu'il raconte, hein, parce que moi, il me répond plus. Je te le dirai après. Je me doute bien. Il est con ce gars, il est con. Mais je l'aime bien. Mais il est gentil, hein. Il est gentil. Bon, Jen se lève. Je vais aller au fumoir. Elle doit aller à la douche depuis tout à l'heure, C'est au elle fumoir, recule. c'est à côté des affaires pour prépa. Ouh là! Je Il a fait. C'était quoi ce. Hi, sais pas, c'est Charlie. Charlie, ton père. Ton père. Je recherche des vêtements. Et après, moi, j'irai aussi à la douche, parce qu'il faut que je lave mes cheveux. Hein, clairement, il faut que je lave. Oula! Mes cheveux, limite, il faudrait que je refasse une coupe. Parce que Nicolas Sirkis, le retour, hein. Ah, il y a peut-être des chances pour moi, hein. Regarde. Pas pour toi. Non, pas pour toi. Toi, t'arrêtes de tondre les cheveux. Elle veut se tondre le crâne, elle, en fait. Elle veut devenir chauve. Il y a Charlie qui a cassé. Mais Charlie, t'auras pas de pâté aujourd'hui, hein? T'en as eu hier. Arrête-toi, tu fatigues. Oui, oui, Charlie. Excusez-moi, j'ai mal aux yeux. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Parce qu'en gros, j'ai épluché et coupé un oignon. Pour le rôti. Ouais. Donc déjà, il faut que je nourrisse Z. Bah, déjà, qu'est-ce qu'il raconte? Je te le dirai après. Donc, il aura que des pâtes. Voilà, je lui ferai que des pâtes. J'avais déjà une cigarette Je lui ici. ferai que des pâtes parce J'en que ai bah, il peut une pas autre. manger de rôti de porc, hein. Voilà. Et je ne changerai pas mon menu. Donc il mangera des pâtes toute seule. Du beurre et du gruyère s'il veut. Bah, il y en a déjà. De quoi? De quoi il y a Dans déjà? les mac and cheese, il y en Mais a non, on lui déjà. fait pas des mac and cheese, je lui ferai des pâtes. Oh, bah. Faut bien qu'on mange des pâtes avec le rôti. Bah tu veux manger quoi? Tu veux manger que le rôti? Ah, tu verras, rien de méchant. Bah moi je veux savoir. Bah non, je vais pas le dire en vlog. Bah tu coupes un peu le son. Bah non. Tu patientes. Bah je fais que ça, je veux plus moi. Donc voilà, donc Jen est impatiente de savoir ce que son chéri m'a raconté. Mais c'est rien. En fait c'est rien, putain je vais être déçue. Ah bah non, si tu vas être déçue, c'est clair. Ah ouais, super. Me demande de mes nouvelles. C'est tout. Donc voilà. Rien d'intéressant, les gars. Hein. Ah bah non, rien d'intéressant. Vraiment. Vraiment. Muffin, tu as un gros nez. Donc les chiens au manger sont sortis depuis longtemps. Moi, j'ai à peine de lancer la cuisson du rôti. Je l'ai lancé il y a un quart d'heure. Voilà. Ah, et puis voilà, donc je vais changer mes draps. Et puis voilà. Parce que au début, j'ai demandé à Jen si Z venait avec la souris. Parce que si la souris venait, clairement, je n'allais pas changer mes draps aujourd'hui. Je les aurais changés demain. Parce que je ne vais pas changer Tu mes vas draps venir alors que la dormir souris va avec dormir moi? dedans. Hein, ta gueule. Je veux pas de ça. Moi je veux, moi. Oui, toi tu veux, moi je connais pas. Donc voilà. Très gentil de me montrer Oui, ça. on s'en fout. Que Ça c'est Z a sympa. dit qu'il venait. En voiture, il avait un copain qui le déposait. On ne sait pas c'est qui. Moi non plus, je sais pas. Et Jen ne sait pas c'est qui non plus. Inconnu au bataillon, celui-là. Inconnu au bataillon. Oui, la dernière fois qu'il a ramené quelqu'un inconnu au bataillon, merci. Hein. C'était Ramzi. C'était R. Laisse tomber. On s'en passe. Le R de la rature de ma vie. Ras-le-bol. Ras-le-bol, ras-la casquette. Il faut sortir la casquette de Z.
Donc voilà, donc écoutez, je change mes draps et je vous dis à toutes. Voilà, drap changé. Bah ouais, parure de la semaine, parure. Harry Potter, blason. Pouf, souffle. Désolée, changer les draps est un sport. Hein. Bientôt je serai au JO pour les changements de draps. Allez hop, c'est bon, je peux prendre ma douche maintenant. Il est 23h26. Z est enfin arrivé. Voilà. Il était venu avec un ami à lui, donc j'ai pas pu prendre le vlog tout de suite. Parce que je ne vlog pas avec trop de public que je connais pas. Voilà. Puis de toute façon, après, ils se sont mis à parler en tunisien. Donc vous connaissez la façon qu'ils parlent et que je peux jamais vlogger en même temps. Trop compliqué. Bah oui, ils parlent fort, j'arrête pas de leur dire. Donc voilà, donc écoutez, bon, on n'a pas encore mangé, hein, ce qui est normal. Bah moi ça sera rôti de porc, je sais pas si Jen en mangera. Non, pas maintenant, mais de toute façon, il faudra bien que je mange au bout d'un moment. Moi j'ai des chips. Et faudra faire des pâtes. Pour nourrir Z. Mais non, pas les mac and cheese. Ne lui fais pas un paquet de mac and cheese. Tu vas perdre 99 centimes. C'est pas grave, c'est pour mon homme. C'est moignon. C'est moignon. C'est moignon. Zod, il veut se déshabiller. À poil mon cœur, à poil mon cœur, à poil. Bon. Attends, moi, non, je suis pas en direct. Range. Non. Ça me dérange pas. Ça sera coupé au montage, je m'en fous, mais non. Oh, c'est triste. Quoi, tu veux que je le garde en photo en... Tu veux que je le garde en image? Ça va, je la connais pas. Non, Z, il veut se balader en couette. Voilà. Là où? Balader, mais pas en couette. Il va se balader, mais pas en couette. Donc voilà, je vais encore faire gling-gling demain dans la poubelle. T'es tout le temps toi, je t'en ai donné qu'une la dernière fois parce qu'elle était blindée. Donc voilà, donc écoutez, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis un peu perdue, je suis désolée, j'ai été totalement perturbée par le début de soirée. Et voilà, je suis pas il est pas fermé le congé LZ. Si je le ferme bien, ouais. Il est pas fermé le congé LZ. Il a rebondi. N'importe quoi. Excusez-moi, vous êtes tombé, je fais monter cannelle. Ah, oula. Ah, oups. Excusez-moi, j'arrive pas à monter cannelle, elle m'aide pas. Mais elle bat. Excusez-moi, vous arrêtez pas de tomber. Vous arrêtez, j'ai pas bu, hein. Je bois pas, d'ailleurs. Donc, voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est perturbant d'avoir du public pour filmer. J'ai l'habitude avec Jen, mais... On se casse. Ils vont aller rouler leur clope. Ils vont rouler leur clope sur la table, c'est mieux que sur le lit. Donc voilà, donc je sais pas quand on mangera parce que moi je vais peut-être aller voir mon pote cette nuit. Peut-être aller rester un peu me dormir parce que, comme je vous ai expliqué, quand Z est là, impossible de dormir. Impossible de dormir quand Z est là. Donc si... Non, tu ronfles trop. Cherche pas. Je suis trop beau. Non, tu ronfles trop. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Et en fait, le truc, c'est que mon pote, il veut bien partager son lit pour que je dorme un peu. Pour que je dorme un chouïa. Parce que, de toute façon, lui, il m'a dit qu'il avait un rendez-vous demain matin. Donc, de toute façon, je rentrerai assez tôt. Voilà, je rentrerai assez tôt. On verra bien quelle heure il rentre de sa soirée, s'il m'oublie pas. Donc, parce que des fois, il peut m'oublier hein, quand il rentre de soirée. Il peut être fatigué et se coucher. Ce que je peux comprendre entre-temps. Donc voilà. Les commandes, il faut que j'aille les poster, que j'aille poster la commande au Mondial demain. Puis voilà. J'ai remarqué que le retour de course vous avait beaucoup plu. Voilà, j'ai eu plus de 200 vues. D'habitude, j'en fais beaucoup moins. Ouais.
Plus de 200 vues sur le retour de course, alors que d'habitude j'en fais beaucoup beaucoup moins. Et la vidéo qui a le mieux marché au mois d'avril, avec plus de 1000 vues, c'est ma vidéo de rupture. Celle-là a très 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 bien fonctionné. Ah bah en même temps, les coups de gueule et les je règle mes comptes, ça marche toujours. Ça. Quand je règle mes comptes, ça fonctionne toujours. De toute façon, dès qu'il y a un coup de gueule ou un réglage, un règlement de compte, YouTube, il a fond dedans. Donc voilà. Donc ouais, là, bah, écoutez, il n'y a plus personne qui me parle sur Facebook. Après, je ferme les fenêtres. Faut que je fasse le tirage au sort du fondant de demain. Voilà. Et puis je vous prendrai tout à l'heure. À toute. Tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant est confiture de lait. Oh non. Quoi? C'est bien sans le caramel. Il est minuit 47. Je viens de faire le tirage au sort du fondant de demain. Donc qui sera le fondant confiture de lait. Et j'ai perdu une bague. Voilà, j'ai perdu ma bague cœur. J'ai perdu la pierre de la bague cœur. Je suis dégue. Je retirerai ma bague. Là, celle-là va tourner parce qu'elle est trop grande. Faut que je trouve un adaptateur, un rétrécisseur plus à la bonne taille. Ça me fatigue, j'en ai marre. Je perds toutes mes bagues. C'est chiant, mais c'est chiant. Je commence sérieusement à avoir faim. Donc, je vais aller faire à manger pour moi. Je ne sais pas pour les deux autres. Je vais aller faire à manger pour moi. Je vais mettre le rôti de porc au frigo. Avec Jen, on mangera demain. Et puis voilà, donc il est cuit. Donc juste à le mettre au frigo, trouver de la place au frigo pour le manger. Donc bah demain. Et puis voilà. Je sais pas ce que je vais me faire à manger, moi. Je vais me trouver un truc à manger vite fait. Hein? Qu'est-ce que t'as, Jen? D'accord. Tais-toi! Les cons. Mais tais-toi, la fenêtre est ouverte. Tarée, celle-là. Elle gueule à la fenêtre, elle fait le loup à la fenêtre. Tu veux que j'ai des soucis avec les voisins? Tu veux que j'ai des soucis avec l'église? J'ai mal là, et ma lèvre qu'on croit en train de me niquer la guitronche. C'est chiant quand ça fait ça. Donc, faut que je remette du stickler. Voilà. Faut encore que je fasse le montage du vlog pour que vous l'ayez à 8h. Parce que comme je ne sais pas si je vais chez mon pote plus tard dans la soirée, je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer de nouveau, de clôturer, de le monter, tout ça. Donc je vais le clôturer maintenant. Il ne sera pas très intéressant, mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer les cloches de notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!